Le gaucho-islamisme, c'est d'abord un péché d'orgueil. C'est-à-dire, on voit souvent ça comme une sorte d'allégeance de la gauche à l'égard de l'islam ou de l'islamisme, alors qu'en fait, c'est né d'abord comme une espèce de grand péché d'orgueil, de grand complexe de supériorité d'une gauche qui était persuadée jusque tout récemment de connaître la vérité de l'histoire, d'être à l'horizon de l'histoire, d'être au centre du monde, de connaître la vérité des choses, la vérité du progrès, et qui était persuadée que en faisant alliance avec certains révolutionnaires qui se disent musulmans ou islamistes, eh bien forcément, en dernière instance, la gauche viendrait rafler la mise parce qu'elle connaissait le sens